Bonjour, je m'appelle Cyril Marceroux, je suis le gérant de la SIC Altermobile. C'est une société qui a été créée en 2008. C'est une coopérative qui déplace des personnes et de la marchandise en utilisant exclusivement des vélos et des véhicules électriques. Nous sommes 24 salariés. On utilise 12 véhicules électriques, nous avons 6 triporteurs, 6 vélos et un Cobran. J'ai rencontré Cyril Marceroux dès la gestation du projet de créer mon entreprise en étant concurrent pendant 4 ans. Est venue naturellement l'idée d'un partenariat qui s'est transformé en projet de fusion pour nos deux entreprises. La fusion des deux structures a permis de cumuler les qualités de l'un et de l'autre pour arriver à la structure actuelle qui apparaît comme tout à fait viable, efficace. Une SCOP pour moi, c'est tout d'abord mettre la place qui lui revient aux salariés dans la prise de décision et dans le partage des richesses créées par l'entreprise. C'est une autre façon de gérer une entreprise en mettant l'humain au centre de nos préoccupations. Ce qui est super pour moi, c'est d'avoir pu trouver ce travail alors que j'avais plus de 50 ans. C'est avant tout le partage, c'est avancer ensemble, c'est échanger ensemble, confronter nos difficultés. C'est une manière d'appuyer le fait que l'entrepreneuriat ne doit pas se faire aux dépens de l'humain. De pouvoir insuffler des idées, pas forcément sur les têtes directives ou la volonté d'un cadre ou d'un chef d'entreprise. On est audacieux parce qu'on a accepté le défi de se confronter aux grands groupes. Le numéro 1 mondial, FedEx, La Poste pour distribuer du Chronopost. Prendre le risque d'avancer, de faire changer les choses. Un opérateur nous a fait confiance, nous a confié 10 colis pour commencer par jour. Et de 10, on déplace actuellement entre 1000 et 1200 colis jour. La structure a pu développer un concept qui est extrêmement efficace, concurrentiel, non polluant. C'est de se dire qu'on peut se déplacer autrement. On participe à notre petit niveau à résoudre des problèmes qui sont relativement importants. C'est une logique de faire fonctionner l'économie locale sur des circuits courts. Tout le monde a vraiment une attitude éco-responsable dans l'entreprise. Ça correspond aux besoins en développement durable d'une grande métropole comme Toulouse. L'innovation, elle est importante pour nous, c'est de trouver les solutions qui vont nous permettre de livrer au plus vite et au plus juste. Donc Altermobile met au point la livraison du dernier kilomètre avec le Cobran et l'idée c'est de déployer ce type de véhicule dans les centres-villes. En plus de le faire sur Toulouse, on veut le développer sur Nice, Montpellier va suivre très rapidement et d'autres villes sont également à l'étude. L'avantage qu'on va avoir aussi, c'est de pouvoir embaucher davantage, donc une joie de se dire on va créer de l'emploi. C'est ce côté humain qui prend un sens au niveau d'Altermobile.